Soit tu fais, oh putain merde, j'étais trop ouais, et méchant. après tu perds. Ouais. Là, tu fais, mais non, je rigole, Mais c'est quoi, genre, bon. Tu gères comment le stress avant de monter sur scène? T'es quelqu'un de traqueux? Ouais, un peu, ouais. Bah, toujours, hein, y a toujours un petit stress avant de monter sur scène. Et quand je sais pas, je marche. Ou alors je rentre au dernier moment, comme ça, c'est fait. Et je regarde pas trop ce qui se passe ou des trucs comme ça, quoi. Okay. Est-ce que t'as justement, j'allais t'en parler, un petit rituel, un gris-gris, un porte-bonheur comme ça avant de monter? Ouais, j'écoute de la musique, j'ai mes Michael. AirPods. Ouais, j'écoute Michael. Il me susurre à l'oreille. Ton souvenir le plus fou sur scène? Le plus fou, bah, je sais pas. Un jour, il arrivait à l'heure. Ouais. Et les gens étaient heureux. Non, un jour, je sais pas, il y a un gars qui me contacte sur Insta parce qu'il va se marier et tout. Il veut faire sa demande au spectacle, tu vois. Et Marcel, je suis t'inquiète, j'ai pas oublié. Et arrive la fin du spectacle et j'oublie. Merde. Je rentre en loge et je fais merde, putain. Non, je vois ces messages, je fais putain, tu m'as oublié. Je fais oh non. Donc je retourne dans la salle et la salle était blindée, mais le temps que je revienne, il restait plus que 10 personnes, tu vois. Ah, le gars voulait la faire devant tout le monde et tout. Donc on essaie de la faire quand même. Je fais non, mais t'inquiète, là, il y a les 10 meilleurs. Déjà, t'es cool, dès que tu sors de scène, tu regardes tout de suite ton téléphone et tes messages Insta, quoi. Non, mais non, ça a mis du temps en plus, parce qu'après j'ai discuté un peu avec le metteur en scène. C'est pour ça que les gens sont partis, quoi. Et elle a dit oui. Ouais. Bon. Mais le gars était un peu dégoûté, quoi. il faisait sa demande en même temps, il regardait vénère. Ça. Et t'es arrivé déjà d'autres choses comme ça, un petit peu chelou sur scène? Dans le public, je sais pas. Je sais pas, un jour. Un autre jour, je parle à des gens un peu, il y a un couple et tout, je leur demande comment ils se sont rencontrés, et le gars il me dit ouais je suis danseur et tout, c'est comme ça j'ai séduit. Je suis ok, mais viens danser sur scène. Et je sais pas, le mec il se lève, il vient danser, mettre de la musique, il veut faire un salto et il s'écrase. Non, non, non. Oh non. Bah moi je viens. Il va bien? Non, il est mort, il a pris sa meuf après. Ah ouais. Oh, il va bien. Est-ce qu'il y a un lieu le plus chelou dans lequel tu es joué? Il y en a plein, j'ai joué dans un chapiteau ouais, c'était vers Lyon, c'est les premiers plans, on dit ah, bien joué, t'es trop content, et t'arrives, c'est de la merde. Genre quoi, il y avait du foin, un truc, juste avant il y avait un cheval. Un cirque quoi. Ouais, c'est ça. Ah d'accord, ok. Ah, sympa. Est-ce qu'il y a un lieu en revanche dans lequel tu rêverais de jouer? Une scène particulière? Bah, tous les jeux que j'ai rêvé, j'ai déjà joué. J'ai pas joué mon spectacle, mais j'ai joué. C'était quoi? Il a joué à FIFA, en fait, au Stade de France. Mais, c'est pas son spectacle. J'ai joué à l'Olympia. L'Olympia, c'était trop bien. Au théâtre du gymnase, à la Cigale. Au Casino de Deauville, je t'ai vu là-bas. Ouais, mais c'était pas un lieu rêvé, non, ça. Pas... C'était quoi? C'était pas un lieu préféré. Vous arrêtez de parler mal de Deauville. Est-ce qu'il y a des choses qui t'énervent dans la vie? Parce qu'on a l'impression que tout te... Si, il y a des choses qui m'énervent, la justice. Oh. Je te jure, c'est le mot. Non, mais vraiment, est-ce qu'il y a des choses du quotidien où tu te, non, ça, tu te vénères? La réponse, elle lui a pas plu, quoi. Non. Non, mais vraiment. Non, mais des choses où tu te mets pas en colère dans la vie, genre, oh là là, c'est pas oh, juste... Non, un truc vraiment, est-ce que ça t'arrive dans ton quotidien? Dans une semaine, de t'énerver contre quelqu'un pour quelque chose. Vraiment. Bien sûr, mais comme tout. Mais on n'a pas l'impression que t'es zen tout le temps, en fait. Quand je suis pas zen, je reste chez moi. Ah. Donc tu t'énerves pas. Ou alors tout seul. Si, ouais, je m'énerve dans mon coin, quoi. Il y a déjà des personnes dans le public qui t'ont vraiment agacé. Et soit tu continues de jouer, soit tu t'arrêtes. Ça t'est déjà arrivé de t'emporter un petit peu ou de faire une réflexion? Ouais, des fois, t'es... Mais après, il faut désamorcer, quoi. Des fois, tu fais, oh putain, merde, j'étais trop méchant. Et après, tu perds. Ouais, tu fais, mais non, je rigole. Mais c'est quoi, genre, bon, hein? C'est quoi, parce qu'il y a du bavardage, parce qu'on te filme? Non, parce que des fois, ça filme ou des fois, les gens veulent trop répondre, tu vois. Ouais. Tu sais, des fois, t'as des gens, ils pensent que c'est leur spectacle. Ouais, quoi, c'est ça, ils sont là pour donc, ils abusent un peu, quoi. Est-ce que t'as... Il te pose pas mal de questions, parce que je ne l'ai pas encore dit, mais Yoël commence à monter sur scène et à faire... Ah non, mais ça m'intéresse aussi. Non, mais voilà, justement, alors est-ce que tu aurais un conseil, justement, pour quelqu'un qui démarre le truc? Il y a un truc à pas oublier. Bah, le seul truc, c'est de jouer le plus possible, quoi. C'est plus tu joues, plus... Et au bout d'un moment, ça va être vraiment cool, quoi.
Mais au début, c'est vrai que c'est chiant. C'est déjà cool, même au début, franchement. En fait, il y a ce truc-là où quand tu montes sur scène, t'es noué, tu vois, t'es stressé, etc. Après, ça se passe plus ou moins bien, ça dépend des soirs. Ouais. Et après, une fois que tu termines, t'as envie d'y retourner en disant. Ouais, en fait, c'est bizarre. Hein. Il y a deux minutes avant de monter sur scène, tu dis putain, mais qu'est-ce que je fous là? Ouais. Et deux minutes après, tu dis mais putain, j'ai envie de retourner. Ah, ok, c'est pour ça. Okay. Ouais, c'est ça. Cool. Et il y a aussi un truc dont tu parles parfois dans tes interviews, c'est la musicalité, de trouver sa musicalité. Ouais, c'est ça, c'est faut trouver son flow, quoi. Si en vrai, toutes les blagues, elles ont été faites, quoi. Donc il faut trouver, essayer de trouver son propre point de vue et son delivery. Yeah. Et toi, tu l'as trouvé tout de suite dès le départ, c'était ce rythme-là? Non. Bah non, bah. Tu balançais de la vanne plus rapide au début. Ouais, bah je sais, ouais. Ah ouais? Ouais. Mais parce que tu te compares à ce qui marche, tu vois. Et après, bah, plus tu joues, après, plus tu trouves ton rythme et ton flow, quoi. C'est un peu comme dans la musique. Et tu peux en jouer, du coup, bah, comme toi. Ouais, c'est un peu dans. Ouais, t'as des mecs, ça se voit quand ils commencent, ils copient un peu leur. Ils disent ça, ça marche, je vais faire un truc un peu dans ce délire. C'est ça. Au final, au bout de quelques années, ils se rendent compte que leur vrai délire, c'est autre chose. C'est pas ça, ouais, tu vois.